1. Nerf crânien de série D et 2. Nerf périphérique de série D. Apparemment, ça va nous servir pour la suite du jeu. Hey les gens, c'est Viperius et welcome to the 9ème épisode de Resident Evil 7. Et souvenez-vous, la dernière fois nous avons battu la grand-mère, hein, nous avons enfin réussi à la combattre, à la tuer, notre deuxième boss finalement du jeu. Et là, regardez-moi ça, nous avons une lanterne maintenant. Et donc nous avons aussi vu que pour combattre le virus, il faut quelque chose comme une série D, un truc comme ça. Enfin en tout cas on a eu des indices, c'est à peu près... Faut que j'arrête de faire contrôle, putain. J'oublie toujours que c'est pas contrôle pour se baisser, c'est C, enfin, je crois. Bref. Maintenant, je suppose qu'il faut revenir. Attends. Peut-être ici. Non. Quoi? What the fuck? What? Attendez. Oh, on commence pas un épisode comme ça. Oh, mais attendez, c'est quoi ça? C'est ouvert maintenant. Ah, mais... alors là, franchement, j'ai de la chance. Là. C'est déverrouillé. Allez, vas-y, sors, parce que là, il y a des insectes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je suppose qu'on va... Oh, j'ai eu peur de ça, excusez-moi. Est-ce qu'il faut rentrer ici? On va revenir ici. De toute façon, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. C'est vrai, la clé corbeau. Mais de toute façon, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Parce que... Il n'y a plus la grand-mère. Voilà, la grand-mère, elle est définitivement morte. Ça, on le sait. Elle, c'est carrément... Il y a un mec qui joue du piano. Au calme, hein, si tu veux, hein. Oui, donc, je veux dire, la grand-mère, elle s'est carrément fait... elle s'est carrément déchiquetée en papier, quoi. C'est totalement... C'était bizarre. Mais bon. C'est normal. C'était bizarre et normal, voilà. Comment dire, je me contredis dans ce que je dis. Oh, mais je suis con. C'est vrai. Putain, on avait besoin d'une lanterne. En fait, la lanterne, tu l'utilises pas. Tu la mets ici pour stabiliser la balance. Et ce qui fait que ça ouvre ça, hein. Oh mon dieu, énorme, énorme. Quoique, non, pas vraiment, en fait. Ferme-moi ça. Nous avons ici un alligator. Oula, là, oh, quoi. Ma lanterne, elle a plus trop de batterie, j'ai l'impression, là. Des notes, rien d'important. Wow. C'est qui a toqué? C'est toi qui a toqué? Y'a quelqu'un? Fais gaffe! Je t'ai à l'œil. Je te regarde! Mais ça, c'est pas flippant, ça. Faut que t'arrêtes de filer par de la merde. Oh, un dessin. Attends, même endroit, s'il te plaît. Attends. Tu sais quoi, quand c'est comme ça, voilà. My family, c'est ça? C'est écrit que ça? Evelyne. Mais je suis sûr, t'as un pu... Mais t'as pas ça pour rien. Des chaussures dans un tiroir. Ouais, d'accord, d'habitude c'est des chaussettes qu'on met, mais... Oh, on peut quand même la faire bouger. Attends, je te renvoie la balle. Ah, mais tu veux faire un match j'allais dire socket. Mais non. Est-ce que nous sommes pas ici dans l'environnement un petit peu enfantin de cette maison? Hashtag l'enfant. Oui, effectivement, c'est bien la chambre de l'enfant. La chambre de l'enfant, mais il a carrément un canapé. Il a pas de lit, hein. Je tiens à préciser, c'est quand même une chambre sans lit. À moins que je l'ai pas vu, le lit. Ah oui, il doit être... Oh, attends. Teddy, qu'est-ce que tu veux, Teddy? Pourquoi on peut prendre Teddy? Tu m'expliques? D'accord, donc que des dessins. Des dessins, oui, effectivement, on adore ça. Oh, mon dieu, des poupées déchiquetées. Elle est glauque, cette maison. Elle est glauque, cette chambre, quand même, hein. Franchement, si l'enfant, il a ça dans son placard... Il y a un petit problème qui tourne pas rond dans sa tête, hein. Mon fils, il sera comme ça, hein, plus tard, hein, bien entendu, bien sûr, mais quand même, qui ne fait pas ça, quoi? Qui ne met pas des bébés, des poupées de bébés déchiquetés dans son placard? Mais tout le monde fait ça. Surtout en 2050, quoi. Je suis sûr que ce serait... Ouais, enfin bref, on va arrêter de dire de la merde. Là, il y a un endroit chelou. Que je veux pas rentrer d'abord parce qu'il y a un endroit ici. Ah non, d'accord, non.
Non, non, qu'il y a vraiment. Attends. Là, faut savoir que je suis vraiment dans la merde. Mais genre, quand je dis la merde, c'est la merde. Ah bah, quoique non. Ça va, j'ai des munitions. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais plus de munitions, mais ça aurait été vraiment la cata. Juste, t'as des munitions ou pas? Non. Mais arrête avec tes bébés, eh, c'est bon, hein. On va baisser d'un ton et puis tu vas arrêter de me jeter des bébés par la. Comment il fait déjà? Tu m'expliques un petit peu comment il fait? Il y a un petit peu un plafond. Enfin, je veux dire, il y a bah, la mine qui nous empêche, alors je vois pas d'où tu les jettes. Donc tu vas arrêter. Quelque chose ne va pas chez elle. Oh! 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 Il y a un peu beaucoup de bruit, moi je trouve. C'est la chambre de qui? J'aimerais bien savoir. C'est Mia? C'est la chambre de Mia? Mia quand elle était enfant? Mia qui n'est toujours une enfant en fait, mais. À savoir qu'au passage, elle n'est pas morte, hein. Elle est toujours vivante. Ne t'approche pas. C'est Mia? Mia? Est-ce toi? Ah mais c'est Mia, hein. Mia, ouais. C'est cute comme prénom, Mia. Je ne veux pas te faire de mal. Eh, ah, vous savez quoi? On va la faire à la technique Gus DX. Bonjour! Je m'appelle Gus. Je viens en paix afin d'avoir des contacts avec l'au-delà. Est-ce que vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît? Faites un signe. En faisant un claquement sur la porte ou n'importe quel objet de votre choix, je ne vous veux aucun mal. Qu'est-ce que tu veux que je regarde dans cette miniature? Enfin, cette maison miniature. Ah, il y a une note! D'accord, mais il fallait me le dire ça aussi. Ah, ça, c'est une indication, ça. Ah, bah, le voilà le lit de la fille. Ah, t'as une. Comment ça s'appelle ce truc-là? Bétonnière? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est, je sais pas, mais c'est le truc qui permet de coller là, le colleur de joint. Non, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Je sais pas comment ça s'appelle ça, putain. Je ne sais plus. Tu sais pas parler? J'oublie carrément les noms de chaque appareil. Franchement, suppliez-moi quoi. C'est ici au fait. Maman, t'as un bouton. Comment tu peux pas voir un bouton? Putain. Là, ici, il y a un bouton. Là, tout là-bas. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Donc là, on voit qu'il y a ça. Maman, t'as ça quelque part. T'as un bouton. Ah. Oh! Oh! Mais n'importe quoi! Putain, il fallait juste. D'accord. Bras de sérité, c'est bon, je l'ai trouvé. Est-ce qu'elle va se réveiller? Non, bah non, normalement non. Mon Dieu. J'imagine que c'est ça. Tu sais même pas, t'es même pas sûr. D'accord. Allez, faut savoir, hein, mon gamin. Quoi? Oh! D'accord. Là, il y avait la fille. Mec, mais c'est qui? C'est qui là? Wow! D'accord, donc en fait, oh là là, je m'attendais pas. Mais meurs! Seulement j'avais mon fusil. Attends. Ah ouais, mais le problème c'est que j'en ai pas. Hein. J'ai pas de. Si on le fait au lance-flamme, ça marche, non? Est-ce qu'il y en a d'autres? Putain, ça m'a fait flipper. Oh! Ils sont combien? Ah! Non, dude! Oh mon Dieu! Pff,
Ah bah je... Ah! Attends, bah là t'es obligé d'utiliser le lance-flamme là. Mon dieu. Ça y est, t'es mort. Tu vas plus me faire chier. Oh! Putain. C'est bon. J'espère qu'il y en a plus d'autres. J'espère vraiment qu'il y en a plus d'autres. Putain, je m'attendais pas. Je pensais pas qu'il y aurait eu des monstres comme ça de nulle part. Oh, le téléphone. Le téléphone. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Zoé? Bonjour, Zoé. Ouais. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Tout est vert. D'accord. Dans la caravane. Et écoutez, c'est parti. Voilà, c'est ici qu'on sort. Et maintenant, place à la caravane. La caravane, donc, normalement, la caravane, il y a Zoé, qui est la maison des secrets. Un petit peu plagiat, Secret Story, tout ça. Vous savez quoi, on garde notre lance-flamme parce qu'on sait jamais, se trouve que Zoé sont une traître. Imaginez. Zoé. Ah non, on l'attend pas, je crois qu'elle était là. Non, on s'attend au téléphone, mais pas pareil. On se parle à distance. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Ça va nous aider, c'est ça? Hé, mon pote, j'ai un truc à te dire. J'ai ah non. Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia sont avec moi. Mais non. Je me tiens tellement en peine. Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu leur veux? Non. C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça. Ça se trouve que c'est ça. Ça se trouve qu'elle fait partie de cette famille. Maintenant, mais elle a honte, parce qu'elle est un peu bizarre. Pas venir la chercher, je te l'attendrai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas, elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote. Mon pote. Va te faire foutre. Oh, bon, allez, sois pas si agressif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Vous imaginez, vous recevez un appel comme ça? Qu'est-ce que tu fais à première écoute? Tu fais quoi? Tu raccroches ou tu continues d'écouter en plaisantant avec lui, en faisant comme si de rien n'était. Donc le frigo, c'est ça? Au frigo. Oh! D'accord, donc il y a une tête de mort. C'est pas une tête de mort, ça. Ah! Une note. Le flic t'attend dans la salle de dissection. Tocard. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, le tocard? Il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il y avait le policier qui m'attendait, c'est ça? Ah, mais le policier, d'accord, ouais. Bah, le policier... la salle de dissection. Bah là, on y est, la salle de dissection. Ah bah, ça doit être ici. Il va y avoir un monstre. Et ça, j'aime pas ça. Parce que regardez, je suis vraiment faible. Oh! Oh! Oh, mais elle fait flipper, celle-là. En fait, j'ai pas peur de la celle-là, la grand-mère qui était féroce, là. C'est pas la même. T'as celle-là qui passe son temps à dormir dans son fauteuil roulant, là. C'est vraiment fourbe. Ça fait peur, tout ça. Regardez, elle fout jamais rien. Ah, mais ça fait peur, ça. C'est quoi, ça? Wouah. Oh! Merde! C'est quoi? Oh! C'est The Grudge. C'est The Grudge. Mais vous avez vu ça, comment il se déplace? Je suis obligé de faire ça au couteau. Ah bah, il est parti. Alors là, je plonge. Je remonte à la surface. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui sont nus à la plage. Ah bah, c'est là. C'est lui, le policier. Une puanteur douceâtre se dégage. Il est déjà en train de pourrir. Prouve que t'es un homme.
Plonge ta main dans la gorge de ce flic. Dans la gorge de ce flic. Ah. Son corps doit être en état de rigueur mortis. Les articulations sont déjà raides. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va trouver. Ah, mais non! Ah, mon dieu, qu'est-ce qu'on va trouver? Désolé, Nino. Comme s'il t'entendait. Ah, d'accord. D'accord, attends, c'est moi, j'ai vu le signe nazi. Vous avez vu la... Quoi? Comment? Mais comment? Tu m'expliques ça, comment? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde. Putain, mais... Faire ça au couteau, c'est horrible. Vous savez, là, vous avez vu sur la clé serpent, là? On dirait pas le signe nazi? C'est clairement le signe nazi. Ça ressemble plus à l'ancien logo de Squeezie que... Oui, quand même, que à la croix gammée, quand même. QUOI? Mais non! Mais non! Mais tu es sérieux? Mais n'importe quoi! Mais tu... Ah, mais attention, il a peur de moi, il a peur de moi. Regardez, regardez, regardez! Et il se barre. Ah! Ah! Crève. Mais bordel, arrête de bouger, de gigoter dans tout. Bon, moi je vois pas les couilles, hein. Moi je me barre, hein. Écoutez, on est... et ben voilà, et comme par hasard, la grand-mère elle disparaît. Comme par hasard. Comme s'il avait des super pouvoirs et il pouvait se téléporter. La meuf, c'est Mimimati, quoi. Mimimati, mais pas avec la taille. Wouh, c'est chaud de jouer à ce jeu sans munitions. Moi, je vous le dis. Ça va, tu les tues pas, c'est bon, tu te barres. Hein. Écoute, quand c'est comme ça... À quoi ça sert de les tuer? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors déjà, c'est un peu chiant parce que c'est là que t'en as le plus. Oui. J'ai pas de munitions, c'est un truc de malade. J'aurais tellement besoin de munitions. Allez, viens, viens par là. Ah putain, il me faut des soins là, il me faut des soins là. Mais arrête de... Oh! Oh mon dieu, alors lui j'ai réussi à le one-shotter. Hein. Mais direct, nous avons la clé serpent. Ah oui voilà, donc là nous sommes... Mais maintenant il y en a partout! J'espère vivement que là où il y a la clé serpent là... je vais trouver des... Si, si. Je vais trouver des... munitions. Et des soins. Ou de l'herbe, ça dépend. Mais pas de... Oh, pitié. Une chambre. Énorme. Oh, bordel de merde. Enfin, des cartouches de fusil. J'en rêvais tant. J'en rêvais tant, vous pouvez pas savoir. Bon, alors. Le avril, maman m'a emmené à l'hôpital de la ville. Ils ont pris une photo de ma tête avec une machine bizarre. Ensuite, maman m'a acheté un puzzle de 259 pièces au magasin de jouets. Ok. Le avril, on sait toujours pas quel jour. Cet imbécile d'Olivier. Olivier, t'es con, hein. N'arrête pas de me taquiner. Il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête, toi. Hein. Un autre jour, le lendemain, je suppose, j'ai menti à Olivier. Je lui ai dit de venir pour ma fête d'anniversaire et puis je l'ai enfermé dans le grenier depuis l'extérieur grâce à ma télécommande. Il n'arrêtait pas de me supplier. Laisse-moi sortir, Lucas! Avec Auchard. Et encore, avril, j'ai changé la télécommande pour que cette idiote de Zoé ne puisse pas aller dans le grenier. Je l'ai combiné avec l'un de mes trophées d'inventeur. Elle ne le trouvera pas. Qui... Oh! Ah! Attends, première place. Quatrième concours des jeunes ingénieurs. Ah, quatrième concours! Ah! Oh, bah ça a activé une échelle! C'est génial! Il est cassé. Ah! It's broken! It's broken! You know? Alors, nous avons encore, donc, hein, Olivier a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Ah, ça c'est moi, ça, quand je joue. Quand je rage. Ça pue comme pas permis! Et il y a un drôle de jus qui coule du plafond. Ah, mais faut arrêter de faire ça le soir. À part ça, comme j'ai eu le temps, j'ai encore changé le trophée de la télécommande. Maintenant, il y aura de la lumière, même la nuit. Joyeux anniversaire. Oh, une cassette. Oh, mais c'est énorme, ça. Les cassettes, c'est bien, ça. Ah oui, putain, ce genre de truc, d'accord. Donc, nous devons faire une... Représenter une dame avec une hache. S'il te plaît, ne mets pas trop de temps.
Ouais, c'est bon. Ouais, à peu près, à peu près. C'est bon, on a réussi. Oh! Ça nous a passé quoi, là? Carte d'accès bleue. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut enlever encore, là? Oh, putain. Carte d'accès bleue. Ah, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, encore une chambre. Des cartouches de fusil, merci beaucoup. D'accord. Il y a quoi ici? Non, il n'y a rien. Alors, la même heure que sur toutes les autres horloges. Logique. Hein? D'accord, j'ai compris ce qu'il faut faire. Il faudra que j'aille voir une autre horloge pour savoir quelle heure il est. D'accord, on fera ça. Mais peut-être dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook pour savoir quand est-ce que le prochain épisode sort. Celui d'Outlast aussi. Les prochaines musiques à venir. Rejoignez-moi aussi sur ma page Twitter pour discuter avec moi. @seriedipopupabus, hein, connaissez tous mon pseudo maintenant. Partagez cette vidéo à votre bel entourage aussi. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater ce que je fais. Et moi, je vous dis à plus. Même si c'est pas plus que j'ai d'habitude, c'est ciao.